friend? Where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? Is it too late, my dear friend? We felt the sunshine, we found the gold. Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, que j'ai voulu assortir à la petite, au petit kimono que je vous ai présenté dans le haul Shein. Je vous le remets ici si vous n'avez pas vu le petit haul Shein. Donc j'ai fait quelque chose qui pète. On verra mieux, je pense, en lumière du jour qu'avec les lumières artificielles. Donc j'ai utilisé la palette Pretty All Set de la marque You Can Be, que je vous avais présentée dans un haul AliExpress. Cette palette est énorme. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, elle est énorme. Donc j'ai utilisé les fards qui sont ici, les fards bleus. Celui-ci et celui-ci et celui-ci, le blanc, pour le coin interne. Je vous ferai voir ça en lumière du jour, parce que là ça éclaire énormément. Et pour les lèvres, j'ai mis que vous verrez prochainement dans un haul Makeup Revolution, parce que ça y est, oui, j'ai enfin reçu mes commandes. J'ai mis le Revolution Pro Hydra Gloss et c'est la teinte Tint, c'est un joli nude. Pour le fond de teint, le F1 Conceal and Define. Et pour le coin interne ici et pour... non, pas pour le blush, parce que j'ai utilisé... pour le blush. Pour l'highlighter, j'ai utilisé celle-ci de chez Too Faced, que j'aime beaucoup. C'est la light, la turn up de light, je vais y arriver. Et je vous avais dit que ceux-là, on les trouvait plus, là, ceux de chez Makeup Revolution, vous savez, qui étaient les glaces cristal. Je les ai vus sur Cosmetic for Less, donc je vous remettrai le lien s'ils les ont encore. Et j'ai mis celui-ci en coin interne. Donc, je vais fermer ça avant de faire des bêtises sur la palette. Je vais mettre ça, j'étais faire mes petites photos Instagram. Donc là, il est 11h55. Vous l'avez vu en intro du vlog, je vous prends un peu plus tard parce que le matin, maintenant, je vais marcher. Puisque celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que mardi, je suis allée, donc hier, je suis allée chez l'allergologue et tout est négatif, donc je ne suis allergique à rien. Donc mon scanner des sinus, pareil, est négatif. Les sinus sont sains, etc. Donc elle pense à rhinite, allergie, je sais pas quoi. Enfin bref, elle m'a dit qu'il y avait un traitement pour ça, puisque apparemment c'est les variations de température qui me font en fait attraper froid. Donc apparemment il y a un traitement de fond, donc à voir avec l'ORL dans 15 jours. Je me suis fait bouffer par les sticks là pendant que je marche. Et celles qui ont vu, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre parce que je passe pas la même chose sur Instagram que dans les vlogs. Donc oui, donc je suis allée chez l'allergo hier, on m'a fait les petits pipis, donc j'ai encore des petites traces parce qu'il y a des petits endroits, ça a saigné, mais rien du tout, rien d'allergique. Et puis comme je vous l'ai dit, donc vous avez vu en intro, j'essaye d'aller marcher deux jours de suite là depuis dimanche. Là aujourd'hui j'ai fait 6 km, aujourd'hui, hier non. En fait je fais 2 jours de marche, donc ça, entre 5 et 6 km, 1 jour repos, 2 jours de marche, etc. Et j'ai repris également, je vous l'avais dit dans le dernier vlog, que je reprendrai le programme Croque Kilo. Donc je me suis réabonnée pour un an, puisqu'il y avait un code promo, je sais pas, j'essaierai de vous le retrouver s'il est encore bon, qui était à moins 50%, donc j'ai payé 50€ pour l'année. Vous avez les menus qui sont faits, la liste des courses, les recettes. Je trouve qu'il est vraiment complet comme programme, c'est pas un partenariat, hein. C'est moi qui l'ai payé avec mes sous. Donc franchement j'aime beaucoup ce programme et c'est celui qui me convient le mieux. Donc là ce midi je vous emmènerai avec moi en cuisine pour faire la petite recette. Comme ça vous verrez une petite recette en même temps. Et puis comme ça, voilà, on verra. Vous n'aurez pas la pesée à chaque fois dans le vlog, alors parce que j'ai pas envie de... Mais je vous la partagerai sur Instagram, donc si vous voulez savoir chaque semaine ce que je perds, eh bien, rendez-vous sur mon Instagram, ici valbeauty&co, le lien en barre d'infos de toute façon. Donc voilà un petit peu pour les news de la semaine. Il fait super beau, c'est super agréable, mais je pense que je vais aller marcher encore plus tôt, parce que là ce matin j'y suis allée à 8h30, ouais c'est ça, il faisait déjà chaud, ça tapait déjà. Donc je pense que je vais me lever, comme je suis debout tous les jours à 7h, voilà, pour
pour le travail ou quoi que ce soit, quand mon mari a besoin de quelque chose avant de partir au travail, s'il y a un devis ou quoi à faire, ou en urgence, ou voilà, des papiers à lui faire avant qu'il parte. Mais bien souvent, je suis levée à 7h. Donc voilà, je pense que j'irai marcher sûrement à 7h30, 7h, 7h, 7h15, 7h30, avant d'aller petit déjeuner. Et comme ça, 1h, 45 minutes, etc. Et je redéjeunerai après. Comme ça, le temps que je déjeune, je redescends en température et je peux aller prendre la douche. C'est une organisation, les gars. Donc voilà, ça fait vraiment du bien au corps. Et bon, j'ai mal aux pattes, hein, je ne veux pas le dire. Hein, voilà. Et on verra sur la balance si ça a une incidence ou si ça a une incidence sur le tour de. Voilà, sur les mensurations, etc. Donc ça, je vous referai un point, parce que les mensurations, c'est dans un mois. Et donc là, je note dans mon petit cahier, je vous ferai voir tout à l'heure, les kilomètres, etc., etc. Donc bah, voilà, je suis fière de moi, je suis contente, voilà, je suis très très fière de moi. Donc voilà, on espère que ça va descendre. Comme, voilà, je suis en train de me gratter là à la mort, les gars. Je vais aller mettre un petit peu de crème. Donc voilà, je suis très très fière de moi. C'est le principal, les gars. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Là, j'ai reçu une commande, je crois, H&M. J'avais commandé des petites choses pour mon fils et des petites choses pour moi. Mais je pense que je vous le montrerai peut-être dans un haul fringues ou avec. Comme j'ai refait des commandes Shein. J'en ai refait une hier et une la semaine dernière. Donc voilà. Donc je pense que je vous montrerai toutes ces fringues. Parce qu'il y a des choses que je garde pas, je les renverrai, etc. Donc, et j'ai reçu aussi, j'ai fait une commande, je vous ai dit aussi sur Instagram. J'ai viré mes deux tapis. Mais vu la taille du paquet, j'espère qu'ils vont pas être riquiqui comme ça, les tapis. Des tapis extérieurs. Parce que ceux que j'avais en toile de jute, bah, quand il pleuvait, ça éclaboussait partout. Ça a été bien la première année, mais là la seconde, ils n'ont pas apprécié de rester. Donc je pense que c'est pas l'idéal. Ou alors si, il faut que ça soit couvert. Donc j'en ai trouvé un en polypropylène ou je sais pas quoi. C'est un genre de truc plastique tressé à voir sur eBay Market. J'ai payé ça 40 et quelques euros. Pas cher du tout. Alors j'espère que la qualité sera là. Mais vu comme c'est plié, je pense que je vais les rouler pour pas que ça fasse de plis et on les installera demain. Je voulais vous redonner des petites idées cadeaux pour la fête des mères, ou la fête des. Oui, la fête des mères, la fête des pères, puisqu'il y en a un des deux qui peut convenir également pour la fête des pères et la fête des mères. Vous savez que c'est des parfums que j'adore. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis celui-ci. C'est le dupe de La Vie est Belle. C'est le 418 de chez Nox Parfum. Il y a une nouvelle promo pour la fête des mères qui est, je crois, valable jusqu'au 5 juin ou 6 juin. Un truc comme ça. Je vous remettrai de toute façon la petite affiche ici. Donc il vous donne moins 10% sur tout le site avec le code MAMAN. Donc que ce soit du 50, du 30 ml, du 50 ou du 100 ml. Et mon code promo est cumulable. Donc ça c'est top. Ça vous refait moins 10% avec le code Val Beauty. Donc c'est top. Et ce sont des liens affiliés hein, comme d'habitude. Et bah, juste de l'ordre de quelques centimes quand vous faites une petite commande. Donc moi ça me permet eh bien, de recommander aussi du parfum ou de recommander d'autres choses pour pouvoir vous les présenter, notamment des hauls Shein, notamment des hauls make-up. Voilà. Donc voilà, je remercie toutes celles qui passent par mes liens affiliés. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est les deux petits formats. Donc n'hésitez pas. Ah, je m'étouffe les gars. Ça va passer de travers. Ensuite. Je voulais vous présenter donc une autre idée cadeau pour la fête des mères qui est la box bijoux. Vous savez, je la reçois tous les mois et celle-ci c'est celle du mois de juin. Et autant vous dire que c'est une merveille. Vous avez tous les mois jusqu'au 9 pour la commander, mais bien souvent avant le 9, elle est déjà en rupture de stock. Donc je vous conseille, si vous voulez ne pas louper la suivante, vous abonner dès maintenant. Et bah, pour tester sur votre première box, puisque c'est en tacite reconduction, c'est résiliable en un simple clic. La box, elle a 25 euros. Il y a trois finitions. Il y a doré, argenté et rose gold. Ce sont les mêmes bijoux dans toutes les box. Et avec mon code, vous avez moins 20%. Donc le code VAL qui vous permet d'avoir moins 20% sur la première box. Donc bah, c'est toujours bien. Et ça peut être une super idée cadeau bah, d'offrir un abonnement de 3 mois ou 4 mois. Ou voilà, ça peut être une super idée cadeau. Les bijoux sont en acier inoxydable. Donc ne bouge pas. Vous pouvez les porter. Vous lavez les mains. Moi, je me douche avec. Je dors avec. Ça ne bouge pas. D'ailleurs, je porte celui-ci du mois dernier. Et ici aussi, je vais faire un petit zoom puisqu'il y a les boucles d'oreilles qui sont ici après. Donc vous recevez ça dans une jolie box comme ça, dans un joli écrin. Vous avez les petits bijoux dans un joli écrin comme ceci, et à l'intérieur chaque petit bijou est enveloppé dans des petits cellophane avec des petits pois. C'est ultra mignon. Vous avez une petite carte qui vous indique s'il y a un bijou qui est cassé, etc., le SAV. Et vous avez
les bijoux qui sont présentés sur un petit plateau. Donc moi je vous conseille de garder les petites boîtes. Vous pouvez faire des fentes pour y placer vos bagues après, ou vous rangez vos bracelets, vos colliers. C'est super pratique, je vous l'ai montré dans mon rangement en bijoux. Je vous le remettrai en petite fiche. Alors on va commencer tout d'abord avec la petite bague qui est ici. Elle est très jolie, je vais vous l'enlever, elles sont toutes réglables. Toutes les bagues sont réglables comme vous le voyez ici. Donc c'est une bague qui est avec un cabochon un petit peu avec plein de facettes, qui est un peu laiteux, j'aime beaucoup. Cette bague là en accumulation, c'est pareil, je vous les mettrai après les autres bagues. Ensuite on a ce très très joli bracelet ultra, vous voyez, un petit peu maille, mais vraiment très joli. C'est ultra léger, c'est, voilà, je vais le porter seul celui-ci, je trouve qu'il est plus joli seul qu'en accumulation, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite les boucles d'oreilles, donc je vais m'approcher un petit peu où vous puissiez voir ma face d'un peu plus près. Donc on a déjà celle-ci qui venait d'une box précédente, et celle de ce mois-ci c'est celle-ci en forme de petit U, mais avec une petite chaînette ici. Elles sont trop mignonnes, super originales, j'adore franchement. Et vous voyez, ça y est, mon bijou de piercing, il est cicatrisé complètement, donc maintenant je peux mettre des bijoux autres, et franchement c'est très 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 joli. Vous voyez, à porter en accumulation, c'est très sympa, j'adore. Celles-ci, elles viennent de chez Ali, j'essaierai de vous les retrouver. Et pour finir, on a un collier, puisqu'on a 4 pièces en général, on a une bague, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet et un collier, une merveille. C'est un long sautoir, donc à porter en accumulation, donc je vais le porter après avec. Et on a des petites, une chaînette avec des petites perles en petites boules comme ceci. Et on a un médaillon tout au bout avec, est-ce que je vais arriver à me faire le focus, ça c'est autre chose. On a un petit médaillon au bout avec une petite impression comme ceci. Et on avait une bague avec cette impression là. Donc je vous la porterai juste après. Donc il est très joli. Donc vous avez toujours des petites chaînettes d'extension. Ça c'est bien. Donc moi je vais peut-être le rallonger même encore un petit peu, parce que comme là j'ai un décolleté, vous voyez ce que ça donne en accumulation. Voilà, c'est super joli je trouve. C'est vraiment très joli, j'adore. Encore une fois, pas déçu de la box bijoux, je kiffe cette box. Franchement, voilà, ça, pour 25 euros par mois, c'est un petit plaisir, ça vous fait des bijoux. Vous pouvez les assembler ensemble, j'adore cette box, j'adore. Donc voilà, je vous mets tout ça, les liens en barre d'infos, le code promo, vous avez tout ça à l'écran. Donc là il est midi, je vais aller... Je vais aller faire à manger, et puis je vais vous prendre avec moi jusqu'à midi et demi. Je vais faire d'abord mes petites stories sur Instagram, etc. pour présenter la box bijoux également. Et puis on se retrouve au rez-de-chaussée tout à l'heure. Je vous ferai voir la petite tenue également. Et voilà. Comme d'habitude, hein, je vous emmène avec moi pendant la journée. Je vous ferai voir les petites choses aussi que j'ai reçues sur le tapis, etc. Je vais ouvrir ça tout à l'heure. Là, j'ai mis ça dans un coin. Mais cette factrice, là, je ne sais pas si c'est Chronopost ou quoi. Je pense que c'est Chronopost. C'est une catastrophe. Elle sonne, elle met les colis. On a des genres de poteaux qui tiennent les portails. Elle met les colis dessus. Elle sonne, elle se barre. Ça fait 3 fois qu'elle me fait ça. Je sonne, je dis où, elle me fait là. Attends au moins que le client prenne les colis. Enfin, je sais pas. Oh là, c'est une cata. C'est une cata. Bon, je vous retrouve au rez-de-chaussée. Et comme ça, je vais mettre les autres petits bijoux et je vous retrouve au rez-de-chaussée. Je retrouve au rez-de-chaussée. Donc voilà, j'ai chaussé tous les bijoux. Donc j'ai accordé le collier, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis au plus long. Et il y a avec le petit médaillon, c'était cette bague là qui allait avec. C'est exactement le même motif. Donc là aussi, c'est du ma box bijoux. Donc là, j'ai mis la petite bague de la box et le petit bracelet. Je vais mettre tout seul. Et les boucles d'oreilles, voilà ce que ça donne. Donc je vous fais voir la petite tenue du jour. Et après, on passe en cuisine parce qu'il est midi et demi et ça commence à creuser. C'est le kimono que je vous ai présenté dans le haul Chine. Je vous le remettrai en fiche ici ou là si vous ne l'avez pas vu. Il n'est pas en plus size, celui-là j'ai pris la taille la plus grande. Donc il existe en plusieurs couleurs. Donc le but c'est de le porter hein, ouvert comme ça en kimono. Et je trouve très sympa. Donc après j'ai mis un top de chez... je crois que c'était un petit débardeur de chez Camaïeu en fait, qui est réversible. Vous pouvez mettre soit en pointe soit en rond. Avec un petit corset, avec un corsaire. Et mes claquettes noires. J'avais des claquettes bleues, mais je sais pas où ce que j'ai mis. J'avais une caisse avec plein de claquettes. Faut que je la retrouve.
pour ressortir, eh bien, oupla, je suis floue, pour ressortir toutes mes petites claquettes. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer en cuisine. Donc, ce midi, vous voyez, j'ai fait mon menu. Je vous montre. Donc, j'ai fait mon menu de la semaine. Donc, j'ai déjà préparé la semaine numéro 2 parce que là, je vais refaire un drive pour mardi. Comme ça, je fais mon menu, la liste des courses. Je fais les courses en fonction de ce qu'il faut pour le drive. Hop, je vais chercher Bastading. Ce midi, c'est des radis en entrée. Avec une galette de comté courgette et un yaourt aux fruits végétales. Et ce soir, c'est des briques de carottes, courgettes curry, etc. Et de la salade verte. Prendre avec moi, on a besoin donc à 200 grammes. Donc, ça fait deux courgettes. Donc, je vais faire revenir mes deux courgettes. Je vais vous poser, ça va être plus simple. Besoin de deux courgettes. Donc, j'en ai déjà épluché une que je vais faire poêler avec un petit peu d'huile d'olive. Donc, je vais déjà commencer à faire retourner ça. C'est de l'huile d'olive du Portugal, c'est de l'huile de moteur. C'est tellement épais. Alors, on va déjà mettre ça en route. Je vais déjà couper la première en tranches toutes fines pour que ça cuise assez rapidement. Alors, moi, je vais en faire qu'une avec la courgette parce que je pense que Enzo va pas manger avec la courgette. Lui, je vais y mettre du jambon à la place parce que c'est une galette garnie courgette comté. Mais comme j'avais de l'emmental, j'ai pas repris de comté. Je vais mettre de l'emmental à la place. Et on va venir faire après poêler les galettes au blé noir un petit peu dans cette poêle-là, chauffer. Remettre les courgettes cuites par-dessus, le fromage. On va plier et voilà, on va servir. Donc des petits radis à la croquencelle en entrée. Donc c'est pas forcément tout ce qu'il faut pour mes intestins, mais le problème c'est que je ne peux plus rien manger là. Si j'écoute que mes intestins, je ne peux plus rien manger. Donc c'est compliqué de faire attention, de manger des crudités, de manger tout ça, que voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo, savoir comment on vit avec un côlon irritable. C'est pas facile tous les jours, autant vous le dire. Donc, je vais venir couper en petites lamelles comme ça. Je vais faire revenir ça à feu assez vif. Donc moi j'aime bien que ça soit parfumé, donc je vais mettre un petit peu d'ail avec. Voilà, un petit peu d'ail et je vais mettre un petit peu de l'ail, hein. C'est de l'ail en poudre comme ça. Et c'est de l'échalote qu'il fallait, mais j'en ai pas. Et je vais mettre un petit peu de curry comme ça, en poudre pareil, pour un peu parfumer. Les épices, c'est la vie. Donc, sur la petite recette, il nous faut... qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut... Hop, hop, hop. Donc, j'ai acheté des galettes de blé noir tout prêtes. Hein. C'est des galettes bio à la farine 100% blé noir. Donc il y en a 4 à l'intérieur. Donc moi, je vais en faire une pour moi. Et puis Enzo mangera une salée et deux sucrées. Donc il suffit de la mettre dans la poêle, de mettre vos courgettes cuites au milieu, un peu de gruyère, vous refermez et voilà, c'est prêt. Donc je vous montre tout ça quand la galette est prête dans mon assiette. Oula, il y a beaucoup de luminosité. Et puis on se retrouve tout à l'heure, je pense que vous verrez ça en musique. Et on se retrouve pour les colis qui sont là-bas. Faut que je range mon casque aussi. Et le sac que j'avais emmené hier, kaki, parce que j'étais avec la veste kaki hier que je vous avais présenté sur le haul Shein. Et je vais ouvrir ça et je vais essayer peut-être le rouler avant. Mais... Allez, on se retrouve tout à l'heure, je suis un peu floux. Donc voilà ce que ça donne, donc les petits radis et la petite galette avec le fromage et les courgettes. Voilà, tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est presque 2h moins le quart, donc j'ai ouvert les tapis. Je veux voir déplier, mais là ça me paraît super petit. Heureusement j'en ai pris deux. 120 par 180, c'est les Bahamas. Je vous mettrai la référence, ça a l'air vraiment du plastique. Donc je vais essayer de les rouler, voir si les dérouler pour voir s'il n'y a pas trop de plis. Et puis je vais les mettre en place, je pense, dehors. Donc ben voilà, on va faire ça tout de suite. Donc voilà ce qui donne déplié. Vous savez, un genre de plastique. Je pense que je vais en mettre un comme ça et un comme ça. Donc c'est un petit peu plié, mais avec le poids des meubles. Donc je vais redéplacer tous les meubles et j'ai repassé un petit coup de balai pour enlever tous les trucs blancs. Et ben voilà, c'est parti. Donc je redéplace tout ça et puis je vous fais voir quand c'est terminé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'avais trouvé un code promo de 5 euros, je crois. C'est sur ID Market. Voilà,
Donc je place ça et on verra bah, dans le temps comment ça donne parce que ceux-là, là, ceux qui étaient en jute, c'est une catastrophe. Donc ça faisait plein, vous voyez, il y en a encore là. J'ai pourtant nettoyé au jet, mais il y en a encore. Donc je place ça et je vous retrouve quand c'est fini. Donc voilà ce que ça donne. Donc il en fallait au moins deux, hein, parce que il y en avait des plus grands, mais je pense que deux comme ça, c'est très bien. Donc c'est un genre de plastique. On va voir ce que ça donne. Hein. J'en ai eu pour 48 €, frais de port compris. Donc voilà, ça rend très très bien. J'adore. Très sympa. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça, si vous les voulez. Et puis on verra dans ce que ça donne à l'usure, au pied. Ça colle un petit peu. J'espère que ça ne va pas fondre avec la chaleur. À tester, on verra bien. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir ma commande de H&M. Alors j'ai pris pour Enzo des t-shirts fit régulars. Parce qu'il n'avait pas assez de t-shirts, donc je lui ai pris un blanc et trois noirs. Voilà, les t-shirts basiques sont à 4,99 €, donc 5 €. Donc j'en ai pris 4. Et je me suis pris pour moi des t-shirts basiques aussi noirs. Donc on va ouvrir ça correctement, voir. Et donc voilà, parce que en petit t-shirt basique, bah, j'avais plus grand-chose. Donc c'est vrai, quand je mets des petits, bah voilà, comme le petit kimono aujourd'hui, j'aime bien mettre un petit haut noir ou coloré. Donc voilà, c'est les petits t-shirts, je les ai pris en 2XL. Et je crois que c'était un lot à... Le lot, il était à 20 €, donc ça fait 10 € le petit t-shirt. Donc voilà, et ça a l'air d'être assez agréable comme matière. Par contre, ils ont l'air assez longs, j'ai l'impression. Ouais, donc à voir. Moi, c'est pour que ça soit assez fluide, pour que ça soit confortable. Donc voili, voilou. Donc voilà, Valou, là je vais aller bosser un petit peu. Donc cet après-midi, il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse. Je vais commencer à préparer ma compta parce qu'on est le 28 ou 29, je ne sais plus. Et puis bah, je pense que je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. Jeudi, il est 11 h 15. Je viens de finir de me préparer. Comme vous l'avez vu ce matin, je suis allée marcher encore. Voilà, ça fait du bien. Ça me fait, je crois, 22 ou 23 km depuis dimanche. Donc voilà, je suis contente, je suis fière de moi. J'ai pris le petit déjeuner aussi dehors. C'est très très agréable. Voilà, donc là, j'ai fait différemment. J'étais marcher d'abord et j'ai déjeuné après. Donc je pense que je ferai comme ça dorénavant. J'ai toujours, pour le petit make-up du jour, utilisé la palette. Comment ça s'appelle? Je suis soufflée, j'ai remonté les escaliers rapidement. La Pretty All Set de Hick & Bee. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai utilisé le côté warning. Hop. J'ai utilisé ce magnifique fard là qui est ici sur la paupière mobile et celui-là. Et pour le creux, j'ai utilisé celui-là et celui-là. Et un petit peu des deux fards noirs ici. Franchement, ça se travaille super bien. Je ne regrette pas cet achat pour un tout petit prix en plus. Le rouge à lèvres, c'est celui-ci de chez Sephora. C'est le Vintage au Rosewood. C'est le 41. J'ai mis avant ici en ras de cils le crayon Sephora. C'est les crayons gel. Donc vous pouvez le mettre ici en muqueuse, en liner. Enfin, vous pouvez en faire pas mal de choses. Et c'est la teinte, bah, je ne sais pas. Ah si, Rich Copper. C'est la teinte 06. Le fond de teint, j'ai mis le close-up de chez Nabla. Je ne sais pas s'il est encore en promo chez Colors and Makeup. Je vous le mettrai le lien en barre d'infos. L'highlighter, j'ai utilisé celui-ci qui est magnifique. Et je l'ai mis ici aussi en coin interne. Et j'ai peaufiné la chose avec ma Turn Life. Et mascara, toujours le turn-up de chez Sephora. Et j'ai fini avec la brume de chez Morphe. D'ailleurs, il faut que je retourne le haul beauté parce que j'ai tout reçu là, ce que j'avais commandé. J'ai commandé pas mal de petites choses beauté, donc il y aura un haul beauté prochainement. Je vous fais voir la petite tenue au rez-de-chaussée pour les petits bijoux. Bah, j'ai mis les deux petites belles. Ces deux-là, ce sont de chez ma box bijoux et celle-ci de chez AliExpress. J'ai mis le petit collier de ma box bijoux, je vous ai présenté hier avec un autre de petit chez AliExpress. Et pour les bijoux, on a ici, pareil qu'hier, du ma box bijoux.
celle du mois de juin ici, la boutique de Lulu. D'ailleurs, j'attends une commande, j'en ai refait une et le petit bracelet, voilà, j'ai dormi avec, ça n'a pas bougé. Et la petite robe, je vous la montrerai en bas, c'est que je l'ai pas encore raccourcie, donc je vais la laver parce que je l'avais pas encore lavée. Je l'ai portée sans la laver, ça m'arrive très souvent. Je pense que je ne suis pas la seule à pas laver les vêtements quand je les achète. Je vais attendre de la laver parce que j'ai si elle rétrécit, comme ça j'aurais pas à le faire. Il faut que je poste mes petites photos sur Instagram avec les petits numéros, etc. Puisque ça a l'air de vous plaire pour pouvoir refaire le make-up, c'est quand même pas mal. Et en parfum, j'ai mis le Hypnotique, le 404 de chez Nox. Hein, toujours la promo, tout ça. Et en barre d'infos comme d'habitude. Donc là, le petit programme, j'ai du boulot à aller faire ce matin. J'ai deux devis à faire et deux factures. Donc le travail a l'air de reprendre, c'est bien. On fait du devis, donc c'est bon signe. Maintenant, il faut que ça soit accepté les devis par les clients. Mais on fait du devis, donc c'est déjà bon signe. C'est que les gens sont prêts à vouloir refaire un petit peu de travaux. Donc voilà un petit peu le programme de ce matin. D'ailleurs, je vais éteindre et on va descendre en même temps. Comme ça avec moi. Le programme de ce matin, parce que là il est 11h, 11h30 presque. Donc je remettrai la clim tout à l'heure vers midi. Et cet après-midi, du coup, je vais. J'ai mon panier à linge ici. Il faut que je fasse une tournée de sombre. Il faut que je prépare la lessive. Oh là là, aïe aïe aïe. J'ai mal aux gambettes, les gars. C'est bien de marcher, mais j'ai mal à mes gambettes. Donc oui, il faut que je fasse une tournée de foncé. Donc là, je vais aller bosser. Et tout à l'heure, je vous montrerai. J'ai reçu une petite commande, enfin une petite commande, un petit colis de chez L'Occitane. J'adore cette marque-là. On y trouve vraiment des belles choses et j'aime beaucoup leurs produits, notamment pour le produit corps. Et là, je suis en train d'utiliser leur contour des yeux que j'aime beaucoup. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure et également le bougie. Le bijou que j'ai eu dans la bougie Sior, ça y est, j'ai récupéré le bijou, donc je vais pouvoir vous le montrer. Je vais bosser parce que les devis doivent être envoyés ce matin par mail avant ce matin. Normalement, j'ai une commande fournisseur également, donc je ne sais pas si ça va être livré aujourd'hui. Je vais vous faire voir la petite tenue avant d'aller dans le bureau, comme ça, ça se le fait. C'est la petite robe de chez Shein, mais comme je vous l'ai dit, moi je vais sûrement la raccourcir voilà, à cette taille-là. Je vais la laver d'abord avant et franchement elle est super confortable. Et vous m'avez demandé là sur le dernier haul de Shein où est-ce que je trouvais les petits leggings comme ça, les petits shorties avec de la dentelle. Et bien sur Shein, il y en a des blancs et des noirs. Je vous avais mis le lien dans le haul Shein. Ben, je vous remettrai les liens ici si vous les voulez. Je mets toujours ça en dessous comme ça, même si on se penche, qu'on a un petit coup de vent. Donc comme je vous l'ai dit, celle-là je pense que je la raccourcirai. Voilà, je la raccourcirai un petit peu au-dessus du genou et ça sera beaucoup mieux pour ma silhouette. Je suis toujours avec mes petites claquettes et voilà, voilà pour la tenue. Donc c'est super confort. Voilà, les robes t-shirts comme ça. D'ailleurs, je m'en suis commandé quelques autres sur Shein. J'ai vu que la commande a été expédiée hier ou aujourd'hui. Je me suis commandé des robes Shein et j'aurai aussi quelques produits. J'ai refait une collab avec Shein pour plusieurs produits. Donc là, je vais arrêter de papoter. Et puis, je vais aller faire mes devis et je vous retrouve tout à l'heure. D'ailleurs, hier soir, je vous avais dit que je faisais des... Je repense à ça. Des briques carottes, courgettes. C'était excellemment bon. C'est vraiment ultra simple. Vous râpez des carottes et des courgettes. Donc, j'avais mis 400 grammes et 400 grammes de chaque. Vous les râpez. Vous les faites revenir un petit peu à la poêle qu'elles soient cuites. Vous ajoutez du curry, du sel, du poivre. Et moi, j'ai mis de la crème de soja. 30 grammes, je crois, de crème de soja. Voilà, vous laissez cuire. Vous laissez refroidir et vous mettez ça dans les feuilles de brique. Vous faites des triangles de brique comme vous faites avec de la viande. Vous mettez un petit peu au pinceau un peu d'huile d'olive dessus et 5-10 minutes de chaque côté au four. Voilà, 210. Donc c'était très bon avec une bonne salade hier soir. C'était très très bon. Donc il en reste un petit peu. Enzo, il va manger ça ce midi. Et moi ce midi, donc comme il restait de la compotée de carottes courgettes, ben je vais manger la compotée de carottes courgettes avec un steak haché et Hélène aussi il y aura un steak haché. Voilà, et puis je pense que je vais faire du riz au lait aussi cet après-midi si j'ai le temps. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de taf, là ça repart. Donc j'ai pas mal de boulot pour la société. Et puis on arrive aussi en fin de mois parce qu'on est le 28. Voilà, donc la semaine prochaine j'ai ma compta à faire. Donc il faut que je prépare, commencer à préparer la compta, à dégrossir. Donc je vous retrouve tout à l'heure après le repas pour vous faire voir les petits produits L'Occitane et le bijou dans la bougie Sior. D'ailleurs le code promo est toujours valable. Allez, à tout à l'heure.
Là, je vous reprends, il est 14h quasiment. Je me suis fait un petit thé, là, je viens de finir de manger, etc. J'ai refait de vie. Voilà, les clients appellent, c'est bon, hop, je vous laisse le chèque d'acompte dans la boîte aux lettres, etc. etc. Donc, il y a du taf là, c'est bien. Je suis contente, ça a l'air de repartir dans le bon sens. Donc, ça, c'est très bien. Donc, je vous disais ce matin, enfin tout à l'heure pour vous. Là, vous entendez ma machine à laver, j'ai mis une tournée aussi en route de noir. Faut que je refasse aussi mon. Je passe du coq à l'âne. Faut que je refasse mon épilation à la cire. Franchement, ça va pas trop repousser. Et je pense que c'est les poils qui n'étaient pas assez longs qui repoussent. Donc, je pense qu'avec un entretien. Donc, je vais finir celle que j'avais, là, la petite cire de chez Mamie Réglisse. Par contre, l'appareil, il est top. Hein. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Vous avez toujours moins 10% avec le code promo. Je pense que c'est bien d'acheter un kit et puis après d'acheter la cire que vous voulez. Mais vous avez le kit avec l'appareil et je trouve ça très bien. On revient à nos moutons. Oui, je vous disais, la bougie, je vais essayer de pas en fiche partout parce qu'elle est allumée. La bougie Sior qui est à la violette, elle sent terriblement bon. Je vous ai dit, moi j'ai mon intérieur là qui fait mon rez-de-chaussée qui fait à peu près 40 mètres carrés ici. Là, tout le rez-de-chaussée qui est ouvert, ça sent ultra bon. Ça sent vraiment, c'est une violette qui est douce, vraiment le bonbon à la violette, comme je vous l'ai dit. Et celle-ci, il y a un bijou à l'intérieur maintenant, c'est une nouveauté qu'ils ont sorti. Et il y a un code promo, je vous avais partagé, je vous essaierai de vous le remettre ici à l'écran. Et à l'intérieur, on a un bijou donc en argent et en zirconia. Donc regardez, j'ai eu un joli bracelet tout fin avec très joli zirconia comme ceci. Il est réglable complètement. Donc j'aime beaucoup. J'ai une bague qui est comme ça ira parfaitement avec. Il est vraiment très très joli. Donc je suis ravie. Donc ça peut être vraiment une très très bonne idée pour la fête des mamans. Parce que voilà, ça fait une petite bougie. Et une fois que la bougie est terminée. Ben vous avez le cadeau, vous avez le bijou qui est à l'intérieur. Et je crois qu'on peut voir la valeur du bijou sur le site. Je ne sais plus trop, mais il me semble que oui. Je vous avais parlé également ce matin des produits L'Occitane. Après, je vais aller ranger mon dressing. Je vous emmènerai avec moi quand j'aurai fini mon thé. Je rectifie mon infusion. Et celles-là, elles ne sont pas mauvaises. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu des petits produits de la marque L'Occitane. C'est une marque que j'aime beaucoup. Donc déjà, celui-ci, je le connais. Donc, je vais déjà pouvoir vous en parler. Dans la gamme amande douce, à huile d'amande douce, on a l'huile de douche. Donc là, actuellement, elle est dans ma douche. Ça sera un backup. Je l'aime beaucoup parce qu'il n'y a quasiment pas besoin de... Quand j'utilise ce produit, j'hydrate pas ma peau après. Et je le vois de suite. Hein. Là, vous voyez, ce matin, j'ai fait la douche et j'ai pas hydraté ma peau. J'ai les jambes toutes sèches. Donc, et comme je vais essayer un petit produit tout à l'heure que j'ai reçu de Makeup Revolution, vous savez, j'ai pris des huiles pour le corps, je voudrais essayer sur les jambes. Donc, je vais essayer ça tout à l'heure sur les jambes et comme ça, je verrai ce que ça donne. Mais celle-ci, je vous la recommande à 10 000% si vous aimez les choses à base d'huile d'amande et les odeurs d'amande, ça sent ultra bon. Et dans la même gamme, alors ça que je n'ai pas encore testé, mais je trouve le packaging magnifique. Ça peut être aussi une super idée cadeau pour la fête des mamans ou des papas. Voilà. On a le produit comme ceci qui est. Ça, c'est le concentré de lait à l'amande de Provence, lissant et raffermissant. Donc, je pense que celui-ci, c'est ce que je vais lui mettre. Ça sent tellement bon. Mais alors, on a vraiment l'impression, vous voyez, de la crème fouettée. Ça sent terriblement bon. Donc, je vais en mettre un peu sur mon bras, pas sur les jambes, parce que je vais les mettre le truc après. Ah ouais, c'est super frais. C'est vraiment très agréable. Ouais. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon! Je trouve que ça sent super bon. Et puis c'est pas gras, ça pénètre très rapidement. Ça va être un truc mes chouchous, ça. Concentré de lait raffermissant et lissant. Puis franchement, le packaging, regardez ça, comment c'est beau. Je trouve ça super joli. Alors là, vous faites un joli paquet avec ça et il y a 200 millilitres, c'est super lourd. Je trouve ça une super idée. Et après, dans une autre gamme que j'ai pas encore testée, cette gamme-là, je crois, de chez L'Occitane. Donc c'est la gamme 100%, la gamme beurre karité. Beurre de karité, donc on a un gommage comme ceci. Donc là, il n'est pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai un en cours. Je vous en parlerai quand je l'aurai testé. C'est le gommage riche au beurre de karité. Voilà, shea butter, il y a 200 millilitres et il y a 10% de shea butter à l'intérieur. Donc, hâte de tester hein, quand je l'aurai terminé, celui que je suis en train d'utiliser.
Là, je crois que c'est lequel que je suis en train d'utiliser. Je crois que c'est un chez Sephora, il me semble. Et dans la même gamme, on peut retrouver donc la crème pour les mains, pour les peaux sèches. Donc, c'est fabriqué en France, hein, tous les produits L'Occitane. Et dans celle-ci, on a 20% de beurre de karité. Donc, moi, j'aime beaucoup les produits L'Occitane. Là, je suis en train d'utiliser le contour de un sérum contour des yeux pour le soir. Il est vraiment très bien. Donc, si vous n'avez pas encore découvert cette marque, bah, je vous invite à aller la découvrir parce que y a des bons produits. Ça sent terriblement bon. Puis j'ai la peau toute douce. Waouh, ça va être mon nouveau chouchou pour la sortie de la douche, ça. Oui. Je vous avais dit que j'avais une commande fournisseur qui devait arriver aujourd'hui, mais je crois que je ne vais pas l'avoir aujourd'hui. Je pense que de toute façon à 17h j'arrêterai de ranger. Là il me reste quoi? Il est 14h, ouais, quasiment. Moins 2, moins 3. À 17h, il y a le Premier ministre qui va parler de la deuxième phase de déconfinement. Puisque bon, ça fait 2 semaines depuis le 11 mai. Ouais, ça fait quasiment 2 semaines qu'on est déconfiné. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir de seconde vague pour l'instant. Je dis bien a priori. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Il y a toujours des décès, il y a toujours des cas, mais je dirais, alors peut-être que c'est grâce au soleil, aux températures peut-être, parce que du coup il y a un peu de la population qui a été contaminée, je ne sais pas. Donc on va en savoir déjà plus ce soir. A priori, moi j'ai reçu un message aussi du collège ce matin qui disait qu'ils allaient rouvrir le collège le 2. Mais que pour les 6e et les 5e, et que le collège était fermé à partir d'aujourd'hui pour qu'ils puissent désinfecter toutes les classes et puis pour réorganiser l'ouverture du collège suivant les annonces qu'il va faire ce soir. Donc ils veulent être prêts. Et comme je ne sais pas si on va encore être en zone rouge ou en zone verte, j'ai eu ma maman ce matin, ma mère m'a dit que peut-être que l'Essonne passerait en zone verte, je le souhaite, hein, comme ça veut dire que le virus circule toujours, mais moins, et puis que les capacités des hôpitaux aussi sont opérationnelles pour au cas où. Voilà, ça sera apparemment, il parle à 17h, même pour les vacances, etc. Donc nous, le Portugal, c'est officiellement terminé, puisque vous savez, on avait pris par Airbnb, et les deux comment ça s'appelle, pas les loueurs, mais les hôtes, on appelle ça des hôtes sur Airbnb, les deux hôtes sur Airbnb nous ont envoyé un message, et on a eu un message dimanche soir pour Porto nous disant que voilà, qu'il était désolé, mais à cause de la pandémie il ne pourrait pas nous accueillir, etc. Et qu'il fallait qu'on fasse la demande de remboursement sur le site. Donc je ne savais pas qu'il fallait qu'on demande en fait à l'hôte, puisqu'il ne pouvait pas nous accueillir, que l'hôte annule de son côté. Donc chose que j'ai faite. Et puis hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus, le second à Lisbonne, la même chose, qu'il ne peut pas nous accueillir suite à la pandémie. Alors est-ce qu'il... Voilà, donc comme on ne sait pas dans le futur si on pourra repartir, etc. Donc là on a demandé un remboursement et ça a été remboursé super vite. Là j'ai déjà eu un premier remboursement, celui de dimanche. Je pense que c'était dimanche soir. Donc là on est jeudi. J'ai été remboursée hier soir, donc je vais pouvoir refaire un petit chèque à mes parents pour leur rembourser le logement déjà. Comme ça, comme chacun payait sa part. Et puis la voiture, c'est pareil, on va être remboursé aussi, c'est pareil, j'attends. On va être remboursé. Quand j'ai tout payé par PayPal, c'est ça qu'aussi on a quand même une assurance par PayPal d'être remboursé. Donc voilà déjà ça. Maintenant on attend pour les billets d'avion, savoir ce qu'on fait. De toute façon, comme on ne part pas, si notre avion est maintenu, en fait on a un report jusqu'au 31 mars 2021. Après je sais pas comment ça se passe pour le report, est-ce que c'est les mêmes destinations, est-ce que voilà, je sais pas trop. Donc après suivant les annonces ce soir, de toute façon si ce soir il dit qu'on peut pas voyager à plus de 100 km ou 200 km de chez soi, ça va être vite fait, les billets d'avion c'est mort. Donc auquel cas moi j'enverrai un message. Je me suis fait bouffer partout par les moustiques en marchant là ce matin. J'ai changé un petit peu d'itinéraire ce matin parce que en étant dans les herbes un peu hautes,
à la fraîche les moustiques avec ma peau toute blanche, ils s'éclatent, hein. Oui, donc je disais, oui, suivant les mesures qu'il va donner. Donc de toute façon, déjà c'est pas cette année qu'on partira au Portugal, donc on est vraiment déçus. Mais c'est comme ça, c'est la vie, il vaut mieux pas partir et être en bonne santé, c'est ce qu'on se dit. Et puis du coup, bah, il n'y aura pas de vacances pour nous en juillet et août. Peut-être quelques jours de repos, mais ou au petit week-end, on ne sait pas trop. Mais je pense pas qu'il y aura de vacances, puisqu'il faut qu'on rattrape le retard de trésorerie qu'on a eu pendant un mois et demi. Voilà, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Donc bah, sur le plan comptable c'est lourd, sur le plan bah, pour quand vous voulez refaire un emprunt derrière pour la société, bah, c'est lourd parce que du coup ça fait chuter le chiffre d'affaires. Enfin c'est compliqué, quand on tient une société c'est assez compliqué. Donc bah, on travaillera cet été et puis il n'y aura pas de vacances, voilà. Comme ça on profitera, je pense, je l'espère, l'année prochaine. Et comme je vous l'ai dit, on a d'autres petits projets. Donc finalement, bah, les sous qui vont être remboursés, bah, iront dans ce projet-là. Ou ces projets-là. Voilà, je vous en dirai plus quand on sera dedans. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, c'est que du projet. C'est à l'état d'idées, on va dire. Bon, je vais laisser ma petite bougie ici. Je vais finir mon thé. Et je vais mettre ça sur... J'ai bien avancé aussi sur mon bouquin. J'ai reçu ma coque. Que je me suis commandé sur AliExpress, franchement je l'ai payé 7$, vraiment très bien. Et en fait c'est la particularité que quand vous ouvrez, hop, vous voyez, ça enlève la veille, ça c'est top, vous n'avez pas sans arrêt à appuyer. Donc là j'en suis à 67% du bouquin L'Institut de Stephen King, j'aime beaucoup. Et franchement c'est super agréable sur la liseuse, ça s'adapte avec... je vois, hier soir j'ai lu jusqu'à 22h ici dans le canapé parce que mon mari était en train de faire des devis et il m'a dit oui tu peux les envoyer ce soir, j'ai dit non à 22h je travaille plus, c'est bon stop, je voudrais un peu me détendre. Donc bah, il était là-bas et puis moi j'avais la télé mais vraiment très très basse, plus que l'image, et du coup j'ai lu pas mal hier soir. Et si je m'écoutais, je dévorerais le livre parce que je veux savoir ce qui se passe. Donc ouais, il est pas mal celui-là, L'Institut. Je voulais refaire un retour aussi sur la Kobo, c'est la Clara HD celle-ci. Le format il est idéal pour la prendre dans la main, pour vraiment, il est vraiment idéal, elle n'est pas lourde. C'est vraiment agréable parce que quand la luminosité baisse, donc vous voyez là la luminosité est assez forte. Mais comme hier soir bah, je lisais quasiment dans le noir, ça devient un petit peu orangé, donc ça n'abîme pas les yeux. Et j'en suis ravie. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça avant, parce que j'ai replaisir à lire et j'en suis ravie. Donc voilà, j'ai lu 513 pages sur 761 pages, donc je pense que d'ici une semaine, je pense que je l'aurai fini. Je lis pas forcément tous les jours, je lis quand j'ai un petit peu de temps. Je le lis souvent le soir, quand voilà, on a fini de manger jusqu'à que le film commence, ou alors l'après-midi, quand j'ai une heure, hein, un petit peu après goûter, voilà, je lis un petit peu à ces moments-là. Je lis pas le soir parce que... si je lis le soir, je voulais lire le soir dans le lit. Mais avec mes cervicales, je me suis aperçue que quand je lisais comme ça, j'avais très très mal aux cervicales le lendemain. Et comme j'ai de l'arthrose dans les cervicales, on évite. Donc voilà, j'ai trouvé ce système de lire là, dans ces moments-là. Et ça me détend énormément. Et franchement, je vous la recommande, cette liseuse-là. Je vous mettrai quelques liens où on peut la trouver. Parce que là, il y a les French Day ou je sais pas quoi, il va y avoir les promos, etc. Et bien entendu, j'ai pris le petit... je vous mettrai le lien aussi de... Et je l'ai reçu assez rapidement, je crois en 10 jours, l'étui, je vais y arriver, l'étui. Et franchement, il est vraiment de bonne qualité. Il y a plein de couleurs. Moi, je l'ai pris bleu, hein, bien entendu. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc, je vais finir mon thé et je vous retrouve à l'étage bah, pour faire voir un petit peu l'étendue des dégâts du dressing. J'ai déjà commencé un petit peu... Je me suis fait bouffer de partout. J'ai déjà commencé un petit peu hier le dressing. En fait, j'ai déjà enlevé tout ce qui était vêtements hiver. Donc, j'ai mis tout dans une caisse. Puis, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Je suis en train de me tartiner avec ça, là. Apaisie, la piqûre roll-on, là. Parce que, alors... Et pourtant, j'avais un pantalon. Alors, imaginez si j'avais été en cycliste ou quoi. Voilà. On se retrouve à l'étage.
Donc je vous reprends, il est presque 15h avant de venir prier. J'ai passé l'aspirateur et ma serpillière au rez-de-chaussée, comme ça c'est en train de sécher. Mon petit balai, comme ça c'est en train de sécher. Alors, je vous retourne dans l'autre côté. Donc j'ai déjà fait un premier tri hier, comme je vous l'ai dit. J'ai mis dans cette caisse-là qui venait de je sais plus où, tous mes maillots de bain. Voilà, j'ai mis tous mes maillots de bain. Donc j'en ai plein, mais voilà, on ne peut pas l'utiliser, on n'a pas de piscine et on part pas en vacances, donc c'est bien dommage. Ici dans cette caisse, dans cette panière, d'ailleurs, il va falloir que je mette à la poubelle, elle est complètement éclatée. J'ai mis dedans tout ce qui était vêtements d'hiver. Ici on a des petits t-shirts et ici on a tout ce qui est un petit peu eau noire. Là j'ai mis un petit sac pour tout ce qui est pour la poubelle. Et voilà où j'en suis, il faut que je retrie tout ça. Donc ce que là j'ai mis déjà tout ce qui était petits pantalons et pantacourts. Je vais commencer par les niches, je pense. En fait, je vais enlever tout ce qu'il y a dans les niches, vous voyez. Les niches ici, ici, ici. Comme vous voyez, c'est le gros bordel. Je mets. Et je pense que ce que je garde pas, il y en a plusieurs choses qui vont se retrouver sur mon Vinted. Pour l'instant, je fais les photos et... je mets sur le Vinted et quand il sera réouvert, je vous le dirai sur Instagram ou sur les réseaux ou dans un vlog parce que pour l'instant, le point relais qui prend les gros colis, enfin, qui est le plus important qui est à côté de chez moi, il est fermé pour l'instant. Donc, j'attends. Si j'ai beaucoup de colis, elle ne les prendra pas dans le petit relais. Donc, voilà, ça ne sert à rien. Donc, je vais déjà vider toutes les niches et puis après, bah, je vous retrouve quand j'ai déjà rangé tout ça. Au moins toutes les niches. Et puis, je ne sais pas si je finirai tout aujourd'hui. Donc si je finis pas tout aujourd'hui, vous verrez ça dans le prochain vlog, donc dimanche prochain, pour vous faire voir un peu où j'en suis. Je vais essayer de mettre ici aussi tout ce qui est petite robe d'un côté, tout ce qui est pour l'été là, et de mettre là-bas tout ce qui est petite veste et tout pour l'automne et l'hiver. Voilà, donc je vais essayer de faire ça, et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure, et puis voilà, il y a des choses que je vais pas garder qui iront sur mon Vinted, et d'autres qui n'iront pas sur Vinted, qui iront au Resto du Cœur. Voilà, en général, je dispatche. J'ai un peu chaud les gars, j'ai pas mis la clim parce que comme c'est juste en dessous, j'ai pas envie d'attraper froid. J'ai un petit peu chaud. Donc ça fait là 1h30 que j'y suis. J'ai quasi terminé. Je suis tout emmêlée. Déjà pour le dressing, c'est fait. Il me reste toute la partie hiver qui est là. Je vais essayer de les mettre dans les sacs plastiques et essayer de les mettre sous le lit. On va voir si ça rentre. De toute façon, je relave tout en général quand je rechange d'été, d'hiver. Donc on va tester ça, j'ai des caisses aussi sous le lit, je vais voir si ça rentre. J'ai ma caisse à chaussettes ici, qu'il va falloir que je trouve une autre place de toute façon. J'ai des choses ici qui vont aller sur Vinted, j'ai des choses qui sont derrière ici qui vont aller sur pour les restos. Alors j'ai remis dans ce petit coin, le tapis, les petits trucs ici, j'ai enlevé, j'avais des foulards à l'intérieur dans le panier. Là j'ai encore des petites choses à accrocher qui vont aller juste au-dessus ici. Dans le petit panier, dans le panier j'ai mis mon défroisseur comme ça, ça permet quand j'ai une prise juste à côté bah, de défroisser. Donc le dressing quand il est fermé, voilà, ça fait propre, c'est quand même mieux parce que par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est la méga cata. Hop, et voilà à quoi ça ressemble. Ah, c'est quand même mieux les gars, hein. C'est quand même mieux, il n'y a pas à dire, c'est quand même mieux. Donc je vais vous détailler rapidement ce que j'ai fait. J'ai mis des paniers ici. Donc là il y a tout ce qui est casquette, chapeau. J'ai mes brassières de sport qui sont encore pour l'instant trop petites parce que je ne rentre plus dedans. Là on a les pantalons, on a les pantacourts. Ici on a tout ce qui est jegging, etc. pour l'hiver. Après il y a mon linge de lit. Ici j'ai remis tout ce que j'avais pour l'hiver qui était sur cintre. Et tout ce que je vais pouvoir remettre sur cintre, je vais le remettre sur cintre ici, ce qui est hiver pour éviter que ce soit dans les sacs. Et ici, c'est tout ce qui va être pour cet été, les petites robes, les vestes en jean, les petits tops, enfin, toutes ces choses-là. Donc voilà, je voulais aller racheter des cintres chez Action, mais finalement, j'en ai encore, donc c'est très bien à voir pour quand je vais avoir fini de remettre les choses d'hiver. Donc j'ai remis mes chapeaux de ce côté-là. Il faut que je vire, mais je n'ai pas de chaise, donc j'ai un caméscope qui doit ne plus fonctionner, donc je vais l'enlever. Je vais demander à mon mari qu'il me l'enlève et puis je sais pas où c'est qu'il va me le mettre. Je pense qu'on va mettre ça au grenier. De toute façon, les cassettes ça n'existe plus. Au moins, on arrive à vendre ça à 5€, j'en sais rien. Ensuite, j'ai mis mon panier ici avec tous mes foulards. Il y a plein de foulards que je ne vais pas garder, donc je les ai tous mis à laver et ils sont en vente à 1 ou 2€ sur Vinted. Ici, j'ai tous mes petits tops t-shirts basiques noirs. Ici, on a tous les t-shirts un petit peu plus colorés.
Ici, on a tous les petits hauts classiques, basiques, où je mets sans rien dessus. Ici, on a mon panier qui rentre, génial, de tous mes maillots de bain. Et là, on a tout ce qui est radio, etc. En fait, vous savez qu'on doit garder à vie pour tout ce qui est examen. Et bah ça, j'aurais le replacer, en fait, là-haut, dans l'autre sens, pour pouvoir le mettre là-haut et récupérer, en fait, la niche ici, bah, pour y mettre soit des chaussures ou alors des sacs à main ou choses comme ça. Mais il n'y a pas très haut. Mais bon, ça permet toujours d'avoir un petit peu de ou récupérer pour mettre un. Soit un truc pour les chaussettes toutes seules, enfin je sais pas encore, mais voilà ce que ça donne, je suis trop contente. Donc maintenant, on va trier les choses d'hiver, ce que je garde et ce que je garde pas, et puis essayer de remettre dans les sacs et dans les caisses. Donc voilà, voilà. Donc j'ai bien bossé, je suis contente, c'est bien, ça avance. Donc ce que je vais faire là, c'est que bah, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Vous m'avez accompagnée pendant ces 2 jours. Et puis je vais essayer de terminer avant 17h et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Et bon, bah, je vous laisse. Et puis merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter. J'adore vous lire et vous répondre. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis merci et à très très bientôt. Ciao ciao!